Noiriou. Je me suis installé en octobre 2000 sur une exploitation de 6000 m² en dinde de chair. En 2003, nous avons créé une plateforme de compostage. En 2008, nous avons installé une chaudière bois. En 2015, nous avons eu un projet de méthanisation qui est en cours de construction depuis janvier 2018. La problématique climat est très importante pour nous afin de répondre à une demande sociétale, mais aussi de pouvoir valoriser des produits de notre exploitation sous forme d'énergie. Ainsi, les fumiers de l'exploitation passeront par la méthanisation pour une valorisation avec une vente de l'électricité. Puis, la chaleur produite par la cogénération servira à nous sécher les composts et avoir une valorisation agronomique dans les régions céréalières. Les effluents ainsi valorisés par l'unité de méthanisation permettront de produire de l'électricité pour environ 500 foyers et environ 300 foyers pour la production énergétique du chauffage. Le choix sur la méthanisation voie sèche s'est confirmé par rapport à la nature des intrants sur l'installation. On traitera fumier de volaille, de la fiente de poule, ce sont des produits très secs et ça rentre en cohérence avec la plateforme de compostage. Ça nous permettra de traiter ces digestats en compost et pouvoir les exporter ensuite sur des régions utilisatrices.